Le ministre d'État en charge du développement social et de la famille, Paul Biya Gemba, a quant à lui échangé avec la coordination régionale ONU Femmes et les organisations non gouvernementales qui luttent contre les violences faites aux femmes. Paul Nsiaki, Pierre Claverella. La mise en place des stratégies spécifiques pour lutter contre les violences faites à l'endroit des femmes, la question a largement focalisé le conclave entre le ministre responsable du développement social et familial, la coordination régionale de l'ONU Femmes et les partenaires sociaux que sont les ONG, entre autres. Il a été question au cours de cette séance de travail de passer un peu en revue tout ce qui est fait au niveau du Gabon, au niveau de la société civile et même du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il faut déjà qu'on essaie d'arrêter une stratégie pour voir un peu comment est-ce qu'on devrait agir dorénavant pour mieux toucher les cibles et mieux amener les femmes à dénoncer ce dont elles sont victimes. Rompre le silence, tel doit être dorénavant le leitmotiv des femmes victimes des violences physiques et psychologiques. On se rend bien compte que les femmes ont toujours du mal à en parler, à dénoncer les violences dont elles sont victimes. Donc l'un des défis majeurs, c'est d'amener les femmes à parler, à dénoncer les violences dont elles sont victimes. Une réflexion a été donc menée à l'occasion de cette journée, à l'initiative du département du développement social et familial, pour réfléchir davantage sur ce phénomène, malheureusement, qui existe encore dans notre pays, peut-être qui commence à régresser. Donc les associations de femmes se sont retrouvées auprès des structures centrales du ministère, des services centraux du ministère et du cabinet, pour faire l'état des lieux, voir ce qui est déjà fait, quelles sont les avancées, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que plus jamais il y ait de violences de toute nature exercées sur les femmes. Faire reculer les violences faites aux femmes, l'engagement doit être l'affaire de tous et non des seuls pouvoirs publics, des partenaires internationaux et des organisations non gouvernementales locales.